Et tout le monde, c'est sur les endroits. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Ghost of a Tile. Donc du coup, eh ben, je vais prendre l'échelle que j'ai. Enfin, je vais aller dans la flamme bleue. Parce que la dernière fois, j'avais pas pu y aller. Donc là, on va descendre et du coup, on va essayer de retrouver. Je ne sais plus trop où il y a quelque chose à retrouver ici. Parce que la pile est un peu trop grande maintenant et elle ne peut plus descendre à l'étage inférieur. Donc on est à l'étage inférieur, par contre c'est vrai que c'est assez stylé par contre là honnêtement. On est d'accord quand même que c'est quand même stylé ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ici il va pas falloir tomber comme ça, je pense pas. Alors moi je vois déjà quelque chose à faire. C'est qu'ici on a potentiellement un truc à faire ici. Alors par contre c'est pile en face de la lumière bleue. Ah bah j'ai réussi. Je connais un petit peu le jeu donc je sais que ça fallait faire ça, mais la première fois je savais pas ce qu'il fallait faire ici et j'étais tombé dans le vide. Rien d'échelle là, ok. Va falloir faire attention parce que la moindre chute, malheureusement, sur ce jeu c'est assez compliqué quoi. Donc on a une hauteur comme ça va. Alors, coffre vide. On va faire une petite sauvegarde, on sait jamais, mais j'ai donc bon. Alors là, il y a des araignées là. Là, par contre, il va falloir faire attention. Des grosses araignées bien. Voilà. Alors, comment on va faire pour les one shot? Il va falloir prendre une pomme de pin et voilà. Là, on a visé l'araignée. On va la balancer dessus. Ah, mais, ouais. Il faut que je vise correctement. Alors, l'araignée ne pourra jamais venir sur là-dessus. Hein. Il faut lui balancer deux pommes de pain et après voilà. Elle va être fichue. Voilà. Ah, elle a pas aimé, hein, du coup c'est normal. Hein. Le truc c'est que il faut vraiment qu'elle s'éloigne un peu, sinon je peux pas la revoir. M'attraper là, enfin elle a failli m'attaquer. Alors si jamais elle me touche, ça fait rien, hein. Ça va rien faire si jamais. Oh, ça va pas. Je vais juste ça dans le vide. Mais il est déjà mieux. Ah. Alors. Alors par contre l'araignée m'a clairement détecté. Hein. Il m'a complètement détecté là donc du coup. Oui en fait il fallait pas qu'on me fasse repérer par l'araignée parce qu'elle sinon c'est déjà plus. Allez, il y en a une qui est plus là, hop, elle est foutue, celle-là, elle est morte. Alors par contre les pommes de pain il m'en reste combien? Il m'en reste plus que 3. Ça c'est pas bien. Hein. Donc il me reste que 3 pommes de pain pour en one shot en danger. Il y a de l'argent là, wow. Il y a de l'argent ici, c'est marrant ça quand même. Ok. Et en plus, elles font tellement de bruit qu'elles font résonner toute la pièce. Alors là, il y a quoi là? Hein, les pommes de pain, regardez. Oh, là, on a vraiment de la chance. Pommes de pain. Ok. Alors là, on a de la chance parce qu'on a des pommes de pain, donc on va pouvoir on va pouvoir normalement les viser et les one shot. Hein. Regarde là, c'est bon. Ah ben, même si ça fait toucher par l'autre, c'est déjà qu'on est plus deux, on est deux. Ok, elles sont plus là. J'ai l'impression que je les ai one shot les deux. J'ai one shot deux araignées d'un seul coup, moi. Ah ouais. Ah ben ça s'appelle la chance ossement. Médaille de guerre. Ah, 3 sur 3. Ah bah on a 100. Oh, j'ai failli, il y avait un piège là. J'ai failli tomber dedans. On va balancer un bâton. Les bâtons c'était pour désactiver les pièges. Alors oui, j'aurais pu totalement balancer l'araignée. J'aurais pu la tirer vers les pièges. Hein. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Parce qu'il y a des portes, mais est-ce qu'elles mènent quelque part ces portes, ces endroits? L'impression que ça mène un endroit hein. Ça
peut emmener à un endroit. Enfin, ça peut. Mais ça sert pas à grand chose de faire ça. Non, ça sert pas à grand chose. Alors, spoiler, ça sert absolument rien d'ouvrir toutes les portes, mais juste pour les ouvrir. Alors, ça c'est complètement. C'est un petit peu bizarre, on va dire, dans le sens que je sais que ça sert à rien. Mais enfin, je sais pas, parce qu'après il y a peut-être un. Après, je veux dire, les succès trophées, je ne sais pas à quoi ils correspondent. Donc, peut-être qu'il y a un trophée ou quelque chose en rapport avec ça, je pense pas. Parce que c'est un peu étrange, on dirait une salle de boss ici, puis en fait, il n'y a pas grand-chose, à part des araignées. Alors là, cette porte, elle est condamnée, on peut pas l'ouvrir. Hein. Et là, c'est d'où on vient. Là, c'est d'où on vient. Alors, j'ai oublié quelque chose ici, mais ici, il y avait une urne de deux lunes, ici. Voilà. Alors, théoriquement, la chose prioritaire qu'il faut faire ici, c'est en fait, ici, il y a des bannières. Vous voyez, ici, il y a des bannières. Il faut mettre la bonne bannière. Avec le levier, il faut activer le levier et mettre la bonne. Alors il faut mettre la bonne, alors je sais pas c'est laquelle qu'il faut mettre. Ça je sais pas. Alors il faut mettre celle qui fait penser un petit peu au pi. Celle qui fait penser au pi. Faut mettre la bannière. Ça par exemple, regardez cette bannière, elle ressemble grandement à une pi. Je sais pas ce que j'en. Je sais pas. Est-ce que ça ressemble pas à une pi ça? Ah, ça ressemble à une pi hein. Alors lui, lui non. Je crois que c'est ça. Ouais, regardez. Celui-ci, c'est celui-là qu'il faut le mettre, hein, c'est celui-là. Ah oui, regardez. Ça se voit, hein. Parce que là. Non, là-bas, c'est des corbeaux, là-bas. Non, je pense que c'est celle qui est ici. Alors, je vais en prendre une miniature parce que, par contre, ici, je vais en profiter parce que, honnêtement, je pense que vous l'avez vu venir ici, que c'est extrêmement joli et je vais forcément faire quelque chose. Alors, j'essaye de trouver un. Bah, je vais mettre au milieu de la pièce, mais je voulais savoir vraiment voir si ça rendait bien. Ouais, ça rend bien. Voilà, c'est bon. Alors j'attends toujours que mon personnage ne bouge pas parce qu'en fait vu que mon personnage bouge tout le temps, c'est assez compliqué de prendre une miniature quand mon personnage bouge beaucoup. Je me réservais cette miniature pour cette salle-là parce que je savais que cette salle-là elle est très très jolie. C'est pour ça que j'avais réservé cette miniature pour aujourd'hui. Par contre j'arrive plus à retrouver la sortie. Hein. Ici mais tout se ressemble comme vraiment deux. Ouais, tout se ressemble. Voilà, il y en a un. Il y a un seul chemin. La seule chose ici qu'on a trouvé, c'est un ossement, de l'argent et une urne d'alfort, c'est tout. Et puis la bannière, voilà. À part ça, c'est tout ce qu'il y avait à faire dans cette pièce. Parce que je connais le jeu, donc je sais que c'était que ça qu'il y avait à faire, mais ouais, c'est un peu embêtant parce que franchement, c'est vrai que c'est une pièce super jolie ici. Voilà, je savais que si j'allais monter dessus, ça allait me faire bouger, c'est pour ça que je prends une miniature dessus. Voilà. Et c'était la bonne manière parce que la pie est contente. Enfin, il y avait marqué plus de 200. Donc quand il y a marqué plus de 200, c'est que ça signifie que c'est exactement ça que je vais faire. Oui, c'est bien celle que je cherchais. Mais cette pie, que fait-elle donc? La pie, est-ce qu'elle porte une selle? On dirait qu'elle est en pleurs. C'est impossible, une pie ne pleure pas pour un simple rongeur. Et pourtant, c'est ce qu'elle fait. La pie saisit la bannière dans ses serres, n'en souffle mot à personne souriant. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Maintenant, souris, tu peux me poser une question, mais seulement une autre. Miro est-elle? Pourquoi Mira a-t-elle refusé de jouer avec le baron? Mira est-elle? Si, Mira, mon épouse. Tu ne veux pas me demander autre chose, peut-être sur la révolte dans le nord? Je vous en prie, répondez à ma question.
Je pourrais t'expliquer comment les étoiles ont été cousues dans la tapisserie des cieux ou te révéler le mystère, les mystères de l'au-delà. Les cieux, merci. Ça ne t'intéresse pas? Je peux te donner le secret de la fabrication de l'or à partir du plomb ou te dire les derniers mots du roi Rongar. Parlez-moi de Mera. Très bien. En ce cas, je dois consulter Miklar. Ravik ferme les yeux et étend entièrement ses ailes. Pendant un instant qui semble durer une éternité, le silence est absolu. Puis la fille parle, sa voix est si claire qu'elle me semble être le seul son qui ait jamais existé. Tu dois te rendre sur l'île de Périclave. Ce que tu cherches t'attend là-bas. Périclave, le bateau de Minera s'est perdu dans le manteau de Périclave. C'est bien cela. Alors il existe vraiment une île de Périclave perdue. Elle se trouve à l'endroit où elle a toujours été. Et elle est bien réelle, je te le promets. Je suis né au sommet des ruines de la Grande Tour. Alors je dois me rendre à Périclave. Il te faudra un bateau et de la chance pour te porter jusque là-bas, ainsi qu'une carte pour naviguer dans les courants. Il me faudra de la chance juste pour trouver des cartes. Pouvez-vous me transporter jusque là-bas? En bas de cette falaise, sur une côte désolée, tu trouveras une barque à peu près aussi grande que toi. Je vous en prie, vous devez savoir que le secret du lac, on ne connaît que les courants du ciel qui surplombent le lac et le domaine des pirates et des grenouilles. Et peut-être des grenouilles pirates, hein. J'en ai vu plus d'une qu'à certains. Nous reverrons-nous pour pouvoir réussir ton aventure un jour, je viendrai le récupérer. Je vais te dire un autre secret, une souris courageuse, Tilo, devenir très bien. Je suis presque ravi de ne pas t'avoir dévoré. Au revoir. D'un battement d'ailes, de ses ailes, la pie disparaît. Ok, la pie a disparu. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que du coup, découvrez la route vers Périclave auprès de Kerald. Ah, va falloir parler à Kerald. Alors, Kerald, c'est le tout premier. Kerald, c'est tout simplement la toute première personne avec qui on a parlé. Finalement, durant notre aventure, hein, finalement, c'est vraiment le tout premier, Kerold. C'est comme marrant de se dire que Kerold c'était vraiment le tout premier. Que maintenant, bah, on a parlé à beaucoup de monde déjà différents. Bon, il n'y a pas tant de personnes différentes que ça sur ce jeu, mais quand même, il commence à en avoir beaucoup. Hein. Par contre, ici, c'est vraiment très beau ici, hein, la pièce. Hein. Je prends pas forcément le temps de regarder bien correctement, mais en tout cas c'est magnifique, hein. Alors les catacombes, alors quel chemin faut prendre déjà? Je sais plus. Déjà ça part. Je savais qu'il allait avoir une douille ici, ça c'était sûr. Je savais qu'il allait avoir un truc là. Finaise. Voilà. Ah, c'est pas facile, il y a toujours un truc qui veut ici. Mais j'avais pas bouché les trous ici, je m'en rappelle plus là. C'est bizarre. Ah. C'est grave, ouais. Oui, ben, tais-toi, toi, parce que Comment ça se fait? Attends, je vais prendre une pomme de pain. Oula.
Non, non. Voilà. Hop. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bizarre ici, j'ai l'impression que je suis jamais passé par là. Alors, c'est peut-être possible dans un cas, hein, ou une manière. Alors, peut-être, mais ça, c'est bizarre parce que pourtant, pour moi, je suis passé partout, hein. Alors, par contre, juste une chose. Il faut manger là, parce que regardez, on va mourir. Hein. Si on mange pas, on prend un dégât, c'est la fin. On va manger du pain. Le pain, ça va pas vraiment beaucoup me régénérer, mais. Bon, j'ai encore comme de quoi manger, honnêtement, encore. Hein. Mais il faut faire attention parce que nos réserves commencent à s'affaiblir un peu. Urne lourde. Mais c'est étrange ici. Ah non, regardez, je suis jamais passé par ici. Voilà. Parce que là, il y a une urne qui est lourde. Et l'urne lourde me permet de débloquer ce passage-là. Donc en vrai, je suis jamais passé par ici. C'est un endroit que je suis jamais passé dans les catacombes. C'est étrange quand même que je suis jamais passé par ici. Ah mais là, je suis pas assez lourd du coup pour déclencher le mécanisme. Il faut que je porte mon armure, sinon ça va pas. Ah, mon armure, elle est là. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai pu débloquer le passage. Alors ici c'est un passage, mais du coup est-ce que c'est vraiment un raccourci? Ah ouais, regardez, c'est un raccourci parce que regardez, c'est le chemin qu'on a pris juste il y a quelques, même pas une minute. Voilà, regardez, c'est le même chemin. Bon, c'est juste un raccourci alors du coup. C'est juste un raccourci pour nous emmener ici. Alors par contre, ça voudrait dire que le chemin que j'ai pris de droite, celui que j'ai pris là-bas, c'est pas le bon. C'est pas la sortie. Non mais après, je suis totalement paumé. Ah, les catacombes, c'est tellement catacombes. Je suis paumé, vraiment, je suis même plus où je suis, je sais plus comment en sortir. Franchement, je sais pas. Alors c'est peut-être le chemin qui est ici, est-ce que c'est le seul chemin que j'ai pas pris? Donc si c'est pas ça, je sais pas. Attends, il y avait quoi là? J'ai vu qu'il y avait, on pouvait cliquer ici. Oh, il y avait des florins ici. Il y avait de l'argent, je savais même pas qu'il y avait de l'argent ici. Ok. Non mais là c'est juste une blague, on va juste, je me suis paumé. Je me suis paumé, je suis tombé dans le port. Ok, je reviens au port du coup. Ouais, bah, je me suis vraiment paumé parce que pour que je revienne vers le port, c'est que vraiment je me suis paumé parce que franchement. Parce qu'il y a un chemin beaucoup plus rapide que le chemin que je viens de prendre, mais je sais pas comment faire mieux. Donc, j'ai oublié de prendre ma lampe, ma lanterne, du coup il fait vraiment nuit. Ouais, bah là, Kérold, on va même pas arriver à Kérold que. Bah, je vais déjà être à court de temps avant même d'arriver à Carole, donc ouais, c'est un peu craignant. Mais moi, j'ai l'impression qu'on fait pas grand-chose dans les vidéos. Hein. Parce que vous voyez, regardez, le temps passe tellement vite. Je sais pas pourquoi le temps passe aussi vite. Il y a certains jeux, ça va pas passer vite le temps. Et il y a d'autres jeux, je sais pas. C'est comme si en fait on était un peu paumé, on n'avance pas si vite que ça. Je sais pas. Mais bon, à Carole, donc on est vraiment pas prêt d'arriver à Carole. Hein. Carole, c'est quand même le tout début du jeu. Hein. Donc il faut retourner dans les égouts. Ah bah, c'est pas la porte à côté, quoi, franchement. Ah, il y a peut-être un raccourci pour aller à Carole, mais je suis pas sûr qu'il y ait un raccourci. Je crois que, ouais, je crois qu'il faut se refaire tout le trajet, tout le, ouais, tout le donjon, enfin toute la prison, toute la. Ouais, faut repasser dans tout, mais bah, c'est pas grave, hein. Du coup, ouais, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'être devant Kérold. Je vous laisse devant Kérold. Je veux dire, tant pis si on dépasse une minute la vidéo. Hein. Au moins, je vous laisse devant Kérold et puis on reprendra la prochaine fois. Hein. C'est la meilleure chose que je puisse faire. Parce que là, j'en ai encore au moins pour bien une minute.
pour arriver devant Geralt. Là, y a pas trop le, y a pas 36 solutions, hein. Mais le garde, il est toujours bloqué ici, c'est quand même marrant, enfin. Au pire, c'est pas grave parce qu'il est bloqué là, mais honnêtement, je passe très vite fait ici, donc finalement, il me détecte même pas. Voilà. Là, ça doit vous rappeler des souvenirs en étant ici. Bon. Ça remonte hein, quand même à longtemps. Ah, là, ça remonte, c'est plusieurs mois en arrière. Finalement. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a les bannières ici, on les a pas brûlées, on les a jamais brûlées finalement, les bannières ici. Oh, ça siffle ici. Ah oui, alors. Peut-être qu'avant de parler à Carole la prochaine fois, on s'arrêtera ici. Oui, parce qu'en fait, ici, il s'agit que vous voyez qu'il y a une bulle de dialogue. Il s'agit que Silas est enfermé dans notre propre cellule. Oui, je m'en souvenais plus de ça. Donc, du coup, voilà. Bon, on s'arrêtera ici. Parce que, du coup, on va faire un brin de causette à Carole, à Silas, le guetteur. Et après, on parlera à Carole de le pirate, quoi. Enfin. Oui, donc on va commencer par beaucoup de dialogues. Donc finalement, on va revenir exactement au tout début du let's play. Parce que c'était exactement ici qu'on s'était qu'on avait commencé le let's play. Donc ça, c'est quand même marrant. Donc je voulais qu'on se retrouvera la prochaine fois. Donc on se retrouvera. Et ben la prochaine fois. Le vendredi 14 janvier. Donc, et ben au vendredi 14 janvier, c'était sur le centre trophée.